السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر حق بحق ولهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. Donc il est vrai que ça fait un moment on n'a pas fait d'enregistrement, mais on profite de ce mois de Safar pour reprendre les cycles de d'enregistrement hebdomadaire qu'on faisait. C'est le mois de Safar parce que c'est le mois pendant lequel Sidna Cheikh Abdallah Anou a obtenu la distinction de Katmiya. On aura l'occasion de revenir dans d'autres circonstances sur la Katmiya. Sidna Cheikh Abdallah Anou, il a été élevé à un grade que lui-même ne savait pas auparavant. Donc on en profite aussi pour dire à tous ceux qui peuvent assister à la journée de Sidna Cheikh Abdallah Anou qui va se dérouler le 7 janvier à Aix-en-Provence, Inch'Allah, de vous préparer et de savoir que c'est la journée de Sidna Cheikh Abdallah Anou, certes, mais c'est pendant le mois de Safar, ce mois pendant lequel il a obtenu ce maqama de Qutb al-Maktoum. Alors aujourd'hui on a voulu parler de Ziyara. Ziyara, vous savez, dans la tariqa, ça fait partie des chartes, de la tariqa, de ne pas faire Ziyara à un autre wali qui n'est pas dans la tariqa, qu'il soit vivant ou décédé. عدم زيارة أحد من الأولياء الأحياء منهم والأموات، الأولياء الذين ليسوا من أهل طريقة التجانية. Donc, mais pour faire la ziyara que l'on fait, si c'est une ziyara que l'on fait à Sidna Cheikh Abdallah Anou, on dit que parfois on peut faire la ziyara les amrin dunyawiyin ou les amrin ukhrawiyin. On peut faire la ziyara parce qu'on a un problème, on veut une solution, on a des difficultés, on veut voyager, on veut avoir des enfants, on prépare un examen, etc. etc. Donc on peut faire des ziyara pour tout ça. Mais on dit que le mieux quand on fait une ziyara vers un wali, un wali du niveau de Sidna Cheikh Abdallah Anou, vaut mieux que ce soit une ziyara khalisatan li wajhillahi al-karim, pas une ziyara pour dunya. Ton intention, c'est important que cette intention, parce que à travers cette ziyara, tu peux avoir sa'adatu darimi. À travers cette ziyara, tu peux avoir la fath, l'ouverture, la ma'rifa, certaines formes de lumière, de nour aussi, basira, etc. etc. Donc ce serait dommage de limiter ces ziyara à un tout petit problème de dunya. C'est vrai, celui qui a un problème, une difficulté, pour lui, il n'y a que ce problème qui existe dans le monde. Tant que le problème n'est pas résolu, eh bien, il n'y a rien pour lui qui existe. Mais ce serait dommage de réduire cette ziyara à dunya, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que si dunya avait la valeur de l'aile de moustique, devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala ne goûterait pas une seule gorgée de dunya. Ça veut dire que si dunya était important devant Allah, il n'y a que ceux qui
un imam qui pourrait avoir dunya, profiter, bénéficier de dunya. Mais dunya n'a pas de valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement insignifiante cette valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala que ça n'atteint même pas le niveau de l'aile d'un moustique devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on dit que donc il faut que cette ziyara que tu la fasses li wajhi Allah al-Karim. Mais il y a quelque chose. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire faire une action pour Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il dit que faire quelque chose li wajhi Allah al-Karim, il n'y a que ceux qui ont le fatha qui peuvent le savoir. Par contre, tu peux avoir une niya, l'intention, dire que ah, mon intention c'est de le faire li wajhi Allah al-Karim. Mais si tu n'as pas le fatha, tu as les voiles, les hijabs devant toi qui font que tu ne peux pas savoir la valeur de cette action que tu as faite rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit amal akhir, amal akhira, ou amal amal ziyaratu li amrin ukhrawiyin fala ya'rafuha illa ahlul fath. C'est-à-dire s'il fait une ziyara rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour une affaire de din, pour une affaire de yawm al-qiyama, cette valeur, il n'y a que ceux qui ont le fath qui peuvent le savoir. وأما أهل الحجاب فلا يعرفونها كما قال سيدنا شهر رضي الله عنه العامة لا يعرفون العمل لله سيدنا شهر رضي الله عنه il dit que en général les hommes ceux qui n'ont pas le fath ils ne savent pas la valeur d'une action faite pour Allah subhanahu wa ta'ala ils ne savent pas parce que ils peuvent pas voir son importance ils peuvent pas voir MashaAllah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans comme récompense, comme lumière, comme darajat, etc., etc. Donc, quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas le fath, qui ne peut pas voir au-delà des voiles, eh bien, il peut faire une action sans savoir la valeur de ce qu'il a fait. C'est pour ça que c'est là où intervient l'intention, niya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que même si tu ne vois pas ce qu'il y a dans cette chambre, il faut que ton intention soit bonne. Si ton intention elle est bonne, c'est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te réservera que du bien, il te réservera que des hasanat. Mais celui qui peut voir, il sait ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut, combien il a obtenu, et l'autre qui est à côté de lui, est-ce qu'il a plus que lui? Donc, prochaine fois, il va faire comme celui qui est à côté de lui, etc., etc. Tout ça, c'est parce que quand on a Al-Fath, on peut voir les choses. Si on ne l'a pas, on investit dans la niya, dans l'intention. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawwa. Alors, mais il y a une chose. Wa ma qasdu al-mazur. أو المزور لأمر الدنيوي فالأولياء رضي الله عنهم on dit que si on fait une ziyara pour une affaire de dunya, il dit que les awliya en général ils le déconseillent. Ils le déconseillent. ذلك فالأولياء رضي الله عنهم لا ينبغي أن يقصدوا إلا لهذا ومن قصدهم لأجل هذا الأمر فهو على خطر عظيم ذلك parfois c'est même dangereux de faire ziyara à un wali rien que pour dunya parce que ce wali là surtout Sayyidina Cheikh رضي الله عنه il fait partie de ceux-là qui ont tourné le dos à dunya et qui vivent dans le zohd tu fais la ziyara pour mahabba tu fais la ziyara pour Allah subhanahu wa ta'ala et après
tu fais dua, tu demandes ce que Allah il a comme baraka, comme mashallah, khayr fi dunya wal akhirah, et tu lui demandes qu'il te donne, qu'il t'accorde. Mais l'objet de cette ziyara, c'était pas seulement pour avoir ce que tu cherches, mais tu as fait cette ziyara par mahabba à Sénéchal de la mer. À la fin de la ziyara, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah lui-même qui a dit Ad'ouni astajib lakum, demandez-moi et je vous accorde. Donc on va s'arrêter là. On vous incite à faire beaucoup de salatul fatihi et en faire hadiya à Sénéchal de la mer, surtout pendant ce mois de Safar, ce mois qui précède le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 2 mois de baraka, 2 mois de Safar, le mois pendant lequel Sénéchal Rabbil Anhu, à l'âge de 63 ans, il a obtenu cette maqama. Donc c'était comme une deuxième naissance. Et le mois de Rabi'ul Awwal, mois pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né, mais ce mois aussi pendant lequel il est arrivé à Médine. Donc l'islam a eu un autre éclat, un nouvel éclat avec l'arrivée à Médine, mashallah. Donc c'était là aussi comme si c'était une deuxième naissance. Donc nous aussi, nous tous, nous voulons avoir une deuxième naissance, c'est-à-dire vivre, mashallah, des niveaux exceptionnels, atteindre des maqamat exceptionnels, obtenir des choses que l'on cherche, qu'on voudrait avoir depuis très longtemps. Alors faisons dua, hadi à Sénéchal de la Anhu, et demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout ce que nous cherchons, fil amri dunya comme fil amri akhira, inshallah. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum astaghfiruhu innahu kana ghafara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.